Amen. Bwana wetu Yesu Kristo. Merci notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Juu ya mangaribi ya leo unatukubalia. Pour nous avoir accordé ce soir. Tangia jana tulikuwa hapa tulisikia neno lako. Nous étions ici depuis hier, nous avons écouté ta parole. Na kila moja alienda kunyumba yake. Et chacun est rentré chez lui. Asante juu ya ulinzi mwema. Merci pour ta bonne protection. Na kuturuhusu na mangaribi tupate kusanyika tena munyumba yako. Et de ce que tu as encore permis que nous puissions nous réunir ce soir dans ta maison. Jo kwa maana tunajitolea mbele ya uso wako. C'est pourquoi nous voici devant tes yeux. Utusamee makosa yetu na mazambi. Pardonne nos péchés et nos manquements. Utakase hata mawazo yetu. Purifie même nos pensées. Ni juu ndani ya mawazo ndio matoka vitu vibaya. Parce que dans nos pensées nous avons imaginé de mauvaises choses. Mule mumyo yetu nawaza paka vitu vibaya. Dans nous il n'y a que de mauvaises choses. Tukona mangaribia leo. C'est pourquoi ce soir. Na hii neno itahubiriwa mangaribia leo. La parole qui sera prêchée ce soir. Itufungule kwa mabifungo yote ya mauvais shetani. Et puisse nous délivrer de tous les liens du diable. Itunze bagonjwa. Guéris les malades. Angara mahitaji yao bananjika. Voyez les requêtes qui sont adressées. Bana kuandikia ni wewe Yesu Kristo wewe ndio mganga mkubwa. Elles ont été adressées toi qui es le divin guérisseur. Kwa dada mwenye anaumwa na kichwa na kizunguzungu. Il y a la sœur qui souffre de maux de tête et de vertige. Ile ma shetani ya malaria ipate kutoka mu diable Christ. Le démon de malaria s'en aille au nom de Jésus-Christ dans les lieux de Marie. Il y a la sœur qui a des maux de hanche. Et qui a des bourdonnements. Que cela s'en aille dans les lieux d'Azari. Upate kumutunza na vile vile mu diable Christ. Guérila. Ile mashetani na mzungu dada ipate kutoka yende katika bodi la giza usha makao yao. Que le démon qui tourmente notre sœur s'en aille dans les lieux d'Azari. Tukona mpendwa wetu Ezekiel na yeye koriste na yeye mgonjwa. Nous avons aussi notre bien-aimé Ezekiel Koris qui est malade. Na yeye anaumwa paka na malaria. Il souffre toujours. Kwanza anapatikana kunyumba upate kumugusa. Là où il est à la maison. Kuna kwa bei uweza kufuku upate kumushika kabisa. Ili matunzo iwe kamilifu. Afin que la guérison soit parfaite. Na ile malaria tunaikemea mujina kwa sikisipata kutoka na yende katika bodi la giza. Nous la renvoyons au nom de Jésus-Christ. Na sisi zote mangaribi yale tukupaka hitaji. Ensemble ici nous avons aussi des requêtes. Hata kama tukuanjike. Bien qu'on n'a pas écrit. Unajua hitaji ya ndugu hitaji ya dada. Donnez la requête le besoin de chaque frère et chaque sœur. Kama unajibu furaha yetu itakuwa kamilifu. Si tu répondais notre joie sera parfaite. Sasa fungula mashikio ya kiro. Maintenant donne-nous l'entendement spirituel. Neno yako ibiriwa ipate nafasi ndani ya mioyo yetu. Afin que ta parole qui sera prêchée trouve des places en nous. Baiki chombo utatumia mangaribi yale ya mtumishi wako. Il est le vase que tu vas utiliser ton serviteur ce soir. Yeye ni mtu na ni mtumishi wako. Il est humain, il est ton serviteur. Umupatie kabisa Roho Mtakatifu. Donne lui le Saint-Esprit. Tunapenda kabisa yeye mtu wake wote ipate kupotea. Nous voudrions que lui puisse disparaître. Lakini wewe mupitia Roho Mtakatifu useme ndani mwake. Que toi Dieu au travers du Saint-Esprit que tu puisses parler au travers de lui. Jukama unasema mangaribi na tunashika tupata uzima wa milele. Si toi tu parlais ce soir et que nous retenions. Na mkutoka mali hapa kila mtu aseme hakika Mungu ana C'est Dieu que chacun dira Dieu a parlé avec moi. Bariki banduku na badada bangari njiani. Bénis les frères et les sœurs qui sont encore en Weka waraka bafike ili tubaki pamoja nao. La rapidité afin qu'ils soient ensemble que nous Tunatamani kabisa kuingia mkipande ya kuimbia, tupenda kuimbia sababu daja ya kweli. Nous passer à l'état de louange que nous puissions te louer comme des véritables adorateurs. Bariki nduku na dada atakuimbia mangaribi ya leo. Chaque frère et sœur qui va te louer. Bariki nduku atastafsiri neno yako ya mangaribi ya leo. Bénis les frères qui vont interpréter la parole ce soir. Asante mokozi, tupenda kwanza na wewe tumalize pamoja na wewe. Nous voudrions commencer avec toi et terminer avec toi. Si faka utapenda kukisha paka kwako. L'honneur et la gloire te soient rendus. Je tunaomba na imani. Parce que nous prions avec foi. Ni katika jina la Yesu tunaomba hivi. Amen. Jésus-Christ que nous prions ici. Amen. Bwana Mungu amibariki. Sasa ni wakati ya kumwimbia Mungu. Kagiza watu wengi wanalia tumanuru, tumanuru Kuna wapotevu, kuna wenye zambi Tumanuru, tumanuru, tumanuru ya bariji Kwa nini ni
Thank you.
Yeah.
saluons toute la congrégation dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons aussi nos frères qui nous suivent en ligne. Il y a certains frères qui nous ont appelés. Ils ont demandé de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. La pluie n'est pas une raison. N'est pas un motif valable. Parce que dans la société, c'est écrit sur les règlements d'ordre intérieur. Que la pluie n'est pas une raison pour une absence, pour justifier une absence. Wakati kuko mvula, aina sababu inafaniwa kusema upate kulofwa. Ça, ce sont les hommes. Hii ni batu wananjika vile. Dans les choses de Dieu, mumambo ya Mungu, c'est un engagement. Ni kujitoa. C'est un engagement. Hii ni kujitoa. Parce que Dieu, Juu Mungu, il voit le cœur. Eko naonaka moyo. Il voit l'extérieur. Eko naona tena nje ya mtu. Il voit même l'intérieur. Anaona hata ndani ya mtu. Si tu t'absentes à l'église, kama unalofa kanisa, tu peux tromper les pasteurs. Unaweza kumulanda pastori. Tu peux tromper les diacres. Unaweza kubalanda washemashi. Même les frères et sœurs. Hata banduku na badada. Mais Dieu, lakini Mungu, il te voit. Eko na kuona. C'est pourquoi, jo kwa maana, prenons au sérieux. Tupate kubeba na ujasiri wote. Devons servir le Seigneur. Tunapasha kutumikia Bwana. Il nous a fait confiance. Alitutumainia. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Tuko bibi harusi ya Yesu Kristo. Aujourd'hui, leo hii, nous sommes encore dans ce corps. Tuingali bado mwili mwili. Étant dans ce corps, benye kwa mwili mwili, on ne sait pas voir la différence de ce que nous sommes. Atujue mzuri kuona achanisho ya kile tuiko. On ne sait pas faire la différence. Atufikie mukuachanisha. Parce que nous tombons malades comme les païens. Jutuku na lukula sawa vile bapagano. Dans ce corps. Ndani ya hii mwili. Dans ce corps. Ndani ya hii mwili. C'est un corps d'humiliation. Ni mwili moya ya haya. Parfois Satan vient nous humilier dans ce corps. Wakati ingine shetani kuna kuya anatupatisha haya mwili mwili. Dans ce corps. Paka mwili mwili. Vous trouvez un païen malade. Unakuta mpagano mgonjwa. Un chrétien aussi malade. Unakuta pia tena mkristo tena mgonjwa. Mais le jour vient. Lakini siku kunakuya. Ce corps sera changé. Ila ambapo hii mwili itageuzwa. Nous attendons. Tukunachunga. La délivrance de ce corps. Ukombozi wa hii mwili. C'est pour bientôt. Hii kunakuya sasa hivi. Parce que les signes du temps de la. Ju alama ya nyakati za mwisho. Sont manifestes. Hii kunaonekana. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ yuko nakuja sasa hivi. En tant que chrétien, kama vile mukristo, même si Jésus tarde, hata kama Yesu akikawia, la mort peut nous surprendre. Lufi inaweza kutupata. C'est pourquoi, jo kwa maana, nous devons servir le Seigneur, tunapasha kutumikia Bwana, avec dévouement, na kujitoa kote, correctement. Unaona ile nastahili. Que le Seigneur vous bénisse. Na Bwana atamibariki. Parce que vous êtes là. Njoo amibariki njoo mko hapo. Or avec cette pluie. Na hii mvula. L'église pouvait être vide. Kanisa ilipasha kuwa bila watu. Mais votre présence. Lakini uwepo wenu. Prouve qu'ici il y a des véritables commandos. Iko naonesha kusema hapa peko askari za kweli. Les commandos. Wa commando. Quand ils vont à la guerre, wakati peko naenda kuvita, ils peuvent aller à par avion. Banaweza kuenda vile kupitia ndege. Et quand ils arrivent au front, na wakati wanafika kule kuvita, ils brûlent l'avion. Beko na chomaka ndege. Bana chomayo pour dire que ici
c'est la vie ou la mort. Dieu a kusema hapa wala ni kufa wala ni bakie mushi. Dans les choses de Dieu, mambo ya Mungu pi, il n'y a pas moyen de reculer. Hakuna namuna urudie nyuma. La Bible dit, Biblia nasema, qui met la main à la charrue, ule yako na mkono yake et regarde en arrière, anaangalia tena nyuma, n'est pas digne de moi. Ashistahili. Sommes dans la marche. Tuko msafari. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Persévérez. Mukankamaneni. La récompense sera grande. Malipo itakuwa kubwa. Et Paul dit, na Paulo anasema, la couronne de la justice, taji ya waki, m'est réservée. Inachungiwa njuu yangu. C'est-à-dire quand il mourait, manake sasa alikuwa nakufa, il avait l'espérance. Alikuwa na ile matumaini. Il mourait dans la foi. Alikuwa nakufa muimani. Il dit, anasema, la couronne de la justice, taji ya uhaki, mais réservé. Inachungwa njuu yangu. Pas seulement à moi Paul. Hapana tu kwa mie Paulo. Mais même à vous. Na kwani pia. À nous tous ici. Kwa shie bote hapa. La couronne nous est réservée. Huko ako taji ile inachungwa njuu yetu. La gloire, le beau temps sur la terre est révolu. Le beau temps. Wakati ya mzuri pa dunia ilisha kupita. C'est fini. Aina ko tena. Plus nous évoluons. Zaidi tu kunaendelea. Plus le temps devient difficile. Zaidi nyakati na kwa nguvu. Nous ne devons pas relâcher. Lakini hatupashe kwa chilia. Nous devons combattre pour la foi. Tunapaswa kupigana njoo ya imani jusqu'à la fin. Paka na kumwisho. Je vous invite à vous lever. Na mialika mshimame. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 3. Tutasoma neno ya Mungu wa Petro wa pili sura ya 3. 2 Pierre chapitre 3. Barua ya Petro ya pili sura ya 3. Le verset 9. Mstari wake wa 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Bwana akawiyake mkutimiza kwa malako. Comme quelques-uns le croient. Kama vile bamoja beko nazania. Mais il use de patience envers vous. Lakini eko natumiaka uvumilivu kwenu. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ashipenda ta kusema mumoja apate kupotea. Mais voulant, lakini akipenda, que tous bote arrivent à la repentance. Bafike kutoba. Amen. Amina. Que Dieu ajoute ses nombreuses bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka yake za mingi kusomi wa ndiko ya neno lake. Nous allons prier. Tutaomba. Dieu tout puissant. Mungu aweze wote. Créateur des cieux et de la terre. Mumba wa mbingu na dunia. Nous venons devant ta face. Tunakuwa mbele ya uso wako. Tel que nous sommes. Paka hivi tuko. Si nous sommes en ce lieu, kama tuko pa hii fasi, nous ne pouvons pas lever nos doigts. Hatuwezi hata kulamsha bilole yetu. Pour dire que nous sommes dignes. Njua kusema tuko tunastahili. Il y a une personne qui a été trouvée digne. Kuku mmoja tu alikutanishwa mwenye kustahili. Dans le ciel. Mumbingu. Sur la terre. Pa dunia. Et sous la terre. Na chini ya dunia. C'était notre Seigneur Jésus Christ. Ilikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo. Voilà pourquoi nous venons vers toi Seigneur. Tazama njoo kwa maana tunakuja kwako Bwana. Derrière la justice de Jésus Christ. Chini ya ile wake Yesu Kristo. Nous venons vers toi Seigneur. Tunakuja kwako Bwana. Sous le sang de Jésus Christ. Chini ya damu ya Yesu Kristo. Et si nous pouvons énumérer tout ce que tu as fait pour nous dans la vie de nos frères, dans la vie de nos soeurs, nous nous estimons trop petits pour mériter une si grande chose. Merci Seigneur. Bénis la portion de la parole que nous venons de lire. Bénis tous les frères, toutes les soeurs. Bénis les conseils de l'église. Bénis les pasteurs de l'église. Sois avec nous Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est entré si malade, la puissance qui va accompagner ta parole, et les malades guérissent au nom de Jésus Christ. Parce que tu as dit dans ta parole, je leur ai renvoyé ma parole pour les sauver et pour les guérir. Merci Seigneur. Réponds à nos problèmes. Comment se termine avec nous au nom de Jésus. Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse.
Bwana akawiyake mukutimizo kamalako. Comme quelques-uns le croient. Kama vile bamoja bamoja beko naamini. Mais il use de patience envers vous. Lakini eko natumia uvumilivu kwa ajili yenu. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ashipende hata mmoja apate kupotea. Ne voulant pas. Ashipende qu'aucun périsse. Hata mmoja apotee. Mais voulant. Lakini akipenda. Que tous. Bote. Arrive à la repentance. Wafike mutoba. Que tous arrivent à la repentance. Ote wafikie kutoba. C'est pourquoi notre sujet. Joko mana tungo yetu. Nous allons parler sur la repentance. Tutasemea yulu ya toba. La repentance. Tukunasemea yulu ya toba. La repentance. Tukunasemea yulu ya toba. Une repentance sincère. Toba ya uhaki. Pas une repentance de formalité. Apana toba tu ya ali ya inje. C'est pourquoi aujourd'hui. Joko mana leo. La marche est compliquée. Safari na vurukwa. Ça n'évolue pas. Aiendelee tena. Des fois on observe certains frères. Wakati ingine tukunaona banduku bengine. Nous observons certaines sœurs. Tunatazamia badada bengine. Nous nous posons des questions. Tunajiuliza. Ce sont des chrétiens. Je ni ba Kristo. Ou bien ce sont des païens. Wala ni bapagano. La marche est difficile. Safari na kwa nguvu. On ne sait pas bien vous identifier. Atujue tutakuwa kututazama huko ngambo kani. C'est une confusion. Inakuwa tu ni mvuruko. La vie est compliquée. Maisha iko nguvu. La vie chrétienne. Maisha kikristu inakuwa nguvu. Très compliqué. Inakuwa ngumu kabisa. Pour trouver un frère. Unakutanisha nduku. Parmi les païens. Katika cha mapagano. Il se comporte comme un païen. Anatenda na isa mpagano. Pour trouver une sœur. Unakuta dada. Parmi les païens. Katika cha mapagano. Il se comporte aussi de cette manière. Na anakuwa sawa vile mpagano. Chrétien parmi les chrétiens. Mukristo anakuwa mukristo katika cha Kristo. Ne venez pas nous montrer votre chrétienté ici. Wewe ushikwa kutonesha mukristo yako ifashi. La véritable la chrétienté. Mukristo kwa kweli. À la cité. Ishi bo kule onekanaka unaishi. Là-bas. Kule. C'est là qu'on doit donner le témoignage. Njoba napasha kuleta ushuhuda. Un témoignage ushuda sur ta vie chrétienne yulu ya maisha yako ya kikristo doit être donné napasha kuletewa ton identité kitambulisho yako doit être clair napasha kuwa wazi na c'est la confusion sasa hii mambo mvuruko pourquoi la marche est difficile juu ya nini safari na kwa ngumu pourquoi la marche est compliquée juu ya nini safari na kwa nguvu le départ mwanjo. Si le départ est mauvais, kama mwanjo yako ilikuwa mubaya, il y aura des répercussions dans la marche. Ile mubaya itakufuata msafari yako. Le point de départ. Pale oranjia. Si ce point là. Kama ile pale oranjia. N'a pas été. Apa kukue. Conformément à la parole. Kufuatana na neno. La marche sera difficile. Safari yako itakuwa ya nguvu. Un moment tu vas t'observer. Wakati mwa utakuwa jangalia. Chidi, ni mwenyewe, niko mkristu bie niko mpagano. Unajiuliza sasa mwenyewe, hapa niko mkristu ama niko mpagano. Paske hii maisha niko nayo. Paske la vie que je mène là. Ce n'est pas digne. Haistahili. N'est pas digne de l'évangile. Haistahili injili. Le point de départ. Pale ulianjia. La repentance. Toba. La repentance. Toba. Elle doit être sincère. Il n'a pas encore eu haki. Une bonne repentance. Kutubu kuzuri. Une vraie repentance. Kutubu kwa kweli. Si elle a été sincère. Kama ilikuwa ya wazi na haki. La marche sera correcte. Safari yako itakuwa sawa. La repentance. Toba. Elle est toujours accompagnée de la conversion. Iko na sindikizwaka paka na kubadilika. Si tu t'étais repenti correctement. Kama ulitubu vile na staili.
Si tu étais sincère, kama ulikuwa wa uhaki, cette repentance, ile toba, sera accompagnée de la conversion. Itasindikizwa na kugeuka. La conversion, c'est-à-dire, kugeuka maana yake, tu allais vers le centre-ville, ulikuwa ukienda ku towni, c'était ça ta vie. Et cette vie là, pour toi tu pensais que c'était correct, mais tu étais déjà un moribond. Mais la repentance sincère, la kini toba ya kweli, fera que tu changeras de direction. Ita kufanya kusema utabadilisha kule ulikuwa naenda. Là où tu allais, kule ulikuwa naenda, tu vas tourner les dos là-bas. Utageukia kwa mkongo. La direction va changer. Njia itabadilika. Tu étais dans la boisson. Ulikuwa mubulevi. Tu étais dans les femmes. Ulikuwa maisha banamuke. Tu étais dans les escroqueries. Ulikuwa maisha bumwishi. Mais une repentance sincère, lakini toba ya kweli, fera que tu y aura la conversion. Amen. Itafanya kusema upate kugeuka. Conversion. Kugeuka. On doit voir ça. Tunapasha kuona ile. La conversion. Kugeuka. Un chrétien, mon Christ, dans le naturel, Mouassili, l'enfant naît dans la saleté, mutoto nazalikoka mouchafu. Mouchafu. L'enfant naît dans la saleté. Mais cet enfant-là, la kinule mutoto, après la kisha kuzalikwa, on doit les laver. Bana pasha kumnawisha. Pour qu'il soit propre. Dans le spirituel aussi. C'est la même chose. Il y a les gâchis. Buchafu. Il y a les bavures. Qui accompagnent un chrétien. Il est connaissance mon Christ. Pendant un certain temps. Wakati mwa fulani ya maisha yake. Justification par la foi. Anasemiwa haki kwa. Mais la personne prend la boisson. Lakini mtu yuko anaendelea na kunywa pombe. Justification par la foi. Kwenye anasemiwa haki kwa imani. La personne tabasse sa femme. Mtu yuko anapiga mke wake. Justification par la foi. Kwenye anasemiwa haki na imani. La personne est trempée dans l'escroquerie. Mtu yuko mwenye kuingia maisha bumwishi. Le gâchis. Bile biote vimabuchafu. T'accompagne. Biko na kusindikiza. Pendant un certain temps. Kadiri ya maisha mwa hivi fulani. Wakati mwa fulani. Et plus tu écoutes la parole de Dieu. Na zaidi kunashikia kaneno ya Mungu. Plus ces gâchis là. Zaidi ile buchafu. Seront en train de éliminer progressivement. Itakuwa naenda na mkuisha pole 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 pole. La parole sera en train de te nettoyer. Neno itakuwa mkukunawisha. Ça va t'accompagner pendant un petit temps. Itakusindikiza mu wakati mwa fulani. Mais lorsque ça persiste, lakini wakati na kangala, là on se pose maintenant une question. Pale tunajiuliza sasa. Lorsque ça continue, wakati tunangara maisha yako inaendelea paka mubaya, ça continue cette vie là. Ile maisha buchafu iku naendelea paka. Persiste. Iku na kankamana, iku naendelea kuwako. Iku naendelea kuwako. À ce moment-là, pa ile saa, ça devient une vie. Ile inakuwa ni maisha yako. Et cette vie là. Na ile maisha ya vile. Ni pas digne. Aina ya nyoko staili. Mais les gâchis là. Lakini ile buchafu. Seront en train d'être éliminés. Itakuwa naenda mukuisha. Progressivement. Pole 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 pole. En écoutant la parole de Dieu. Mukuya kushikia neno ya Mungu. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Venir à l'église. Kuya kukanisa. C'est très important. Iku ya muhimu kabisa. Parce que quand vous venez, Dusamu nakuya, Dieu sera en train de forger un caractère. Mungu atakuwa yuko anaenda na kuchonga tabia moya fulani. Vous pouvez venir. Unaweza kuya. Et vous trouvez que ces jours-là c'est le marteau. Unakuta kusema ile shiku ni sando. C'est le marteau. Ile shiku ni sando tu. On va te marteler. Bata popola pa. On te martèle. Bana pika pa. On te martèle. Bana pika tena. Parfois tu regardes ta chrétienté. Wakati ngine unangarabu Kristo yako. Unasema una kitu hata. Unatrouver que tu n'es rien. Mais le Seigneur. Alors que Bwana.
est en train de forger un caractère. Eko mukuchongola caractère moya. Le Dieu que nous servons. Mungu le tuna tumainia. Tu ne peux pas évoluer seulement avec la justification. Aubaki etu na kuesebiwa haki. Mais il faut la sanctification. Lakini na kubidi utakaso. La Bible dit. Biblia nasema. Sans laquelle. Bila ile. Personne ne verra le Seigneur. Hakuna mtu ataona Bwana. La justification par la foi. Il faut la sanctification. Une repentance sincère. Ça va, donc le processus ira jusqu'au bout. Mandamano itaenda paka na kumwisho. Ira jusqu'au bout. Itaenda paka na kumwisho. La repentance. Toba. Nous lisons. Tukuna soma. Nous sommes dans Luc chapitre 24. Tuku kitabu ya Luka sura ya 4. Luc chapitre 24. Luka sura ya 24. La vraie repentance. Kutubu kwa bya kweli. Luc 24. Luka 24. Luc chapitre 24. Luka sura ya 24. Le verset 47. Mstari yake ya 47. Et que la repentance, na toba, et le pardon des péchés, na usamaha mazambi, seraient prêchés en son nom, ipate kubiriwa mujina lake, à toutes les nations, kukila taifa, à commencer par Jérusalem, kuanzia mu Yerusalem. La repentance, toba, et le pardon, na usamaha. Serait prêché itapasha kubiliwa à toutes les nations kukila taifa à commencer par Jérusalem kuanzia Yerusalem à Jérusalem ku Yerusalem c'est là que l'église avait commencé chokule kanisa ilianzia l'église de Dieu kanisa ya Mungu la vraie église kanisa ya kweli n'avait pas commencé à Rome haikuanzia ku Roma la vraie église kanisa ya kweli avait commencé à Jérusalem ilianzia ku Yerusalem parce que la parole de Dieu neno ya Mungu devait sortir de Jérusalem ilipasha kutoka ku Yerusalem le jour de la Pentecôte siku ya Pentecôte la vraie église a commencé kanisa ya kweli ilianza et la repentance na toba et le pardon na usamaha doit commencer par là ilipasha kuanzia kule. Mungu ambariki sana. Kere senya mweni iskishma. Et l'homme de Dieu na mutumishu wa Mungu parle du purgatoire. Apana fashi ya kusamehe. Il parle du purgatoire. Eko nasema njuu ya fashi ya purgatoire, purifié. Fashi. Il parle du purgatoire. Eko nasema njuu ya fashi. Message dani ya ujumbe la voix d'un vrai prophète de Dieu. Sauti ya nabii wa kweli la voix njia njia ya nabii wa kweli la voix d'un vrai prophète de Dieu njia ya nabii wa kweli wa Mungu et qu'est-ce que l'homme de Dieu dit là-bas na mtumishi wa Mungu anasema nini pale il dit anasema purgatoire hii mambo ya kusafisha ya le terme purifié kuko huko msemo kusafisha kutakasa ifashi ya kutakasa semente amen ah. Nous n'attendons pas ça atuchunge maintenant nani sasa n'attendez pas la mort. Apana kuchunga kufa. C'est fini. Kuna mambo yako inaisha pale. La semaine toi. Ni wewe na Mungu sasa. Parce que Dieu te connaît très bien. Tu Mungu anakufahamia mzuri. Mina ya ceux qui croient. Sasa kuku bale weko na mini. A un purgatoire. Mumambo boya kutakasa. Après la mort. Kisha lufu. Parce que quand il va mourir. Du wakati atakufa. Nous viendrons. Tutakuwa kufanya misa. Nous ne faisons pas la messe. Shia tufanyake misa.
Nous nous tenons les cultes funèbres. Nous ne parlons pas aux morts. Mais nous prêchons les vivants. Nous prêchons les vivants. Pour que la situation, la circonstance, nous serve de leçon. Parce que cette personne-là, parler, manger, la circonstance nous serve de leçon. Ipate kutusaidia kama vile fundisho. Parce que cette personne là, jule mtu ule, alikuwa anatembea, alikuwa anasema, manger là. Lakini banaamini juu ya mambo ya kutakasa kisha kufanya misa. Et cette messe là, na ile misa, on va purifier la personne. Vous faites la rétrospective. Dans l'église. Vous êtes prophète de votre vie. Vous vous connaissez très bien. Tu te connais toi-même très bien. Tu te connais très bien. Unajidua mzuri sana. Et quand tu écoutes la parole, na wakati kunashika neno, tu dois rentrer. Unapasha kurudia. En toi-même. Ndani yako. Tu dois rentrer à toi-même. Unapasha kurudia ndani yako. Tu dois prier. Unapasha kuomba. Tu dois confesser. Unapasha kukiri. Tu dois te nettoyer. Unapasha kujisafisha. Amen. Amen. Le purgatoire. Mambo ya kutakasa. Aujourd'hui et maintenant. Ni leo na ni sasa hivi. Qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Mtumishi wa Bwana sema nini? Nous lisons. Tunasoma. Oui, je crois un purgatoire. Dio, minaamini kwa mambo ya kutakasa. Mais je crois que c'est maintenant même. Lakini minaamini kusema kutakasiwa ni sasa hivi. Vous purifiez votre âme. Huku natakasa nafsi yako. Purgatoire signifie? Kutakasa maana yake. Lorsque vous voyez que vous avez fait quelque chose de mal, wakati unaona kwamba unafanya kitu kikibaya, allez, kwenda, nettoyez ça, safisha kile kitu, faites-le sortir, na upate kukitosha, de vous par la confession, upate kukitosha na mukusema mukukiri, par les pleurs, mukuria, les jeûnes, mukufunga chakula, et la prière, na kupitia maombi. Mungu ambariki sana. Que le Seigneur bénisse richement. La vie chrétienne. Maisha mu Christ. Ce n'est pas un jeu. Aina misa. Nous venons ici. Tukunakuya hapa. Tu consultes la montre. Unangalia ça. 18h. 18h. Nous rentrons. Tunarudia. Dans l'étape de la croissance. Mambo inaangalia kukomea. Là, il faut travailler. Pale unapasha kutumika. Tu dois travailler à ton salut. Unapasha kutumika njoo wokovu yako. Avec crainte et tremblement. Huko unatumika na boga na kutetemeka. Là, c'est l'éducation de la maison. Pale ni majifunzo ya kunyumba. On va te dire. Batakwambia. Dans notre famille. Ndani ya jamaa yetu. Les jeunes frères. Ndugu vijana. Ne marche jamais à côté des jeunes sœurs. Abatembe yake kamwe pembeni ya babinti badada. Hapana. Non, pas ça. Cet ami. Ile burafiki. C'est diabolique. Ni ya shetani. Ce n'est pas biblique. Aina ya Biblia. Si vit comme ça. Kama kunaishi vipi. Aujourd'hui. Leo. Arrête. Shimamisha. Parce que la Bible dit. Biblia nasema. Les jugements commencent dans la maison de Dieu. Hukumu inaanza mu nyumba ya Mungu. Nous avons notre nourriture. Tukuna chakula yetu.
La colombe ne mange qui sont variés. Ashikula ke kamwe tibia kuoza. Bana shukuri yake. Ine jamais. Mais lorsque la colombe lakini wakati jiwa trouve une autre colombe anakuta jiwa mwenjake en train de consommer les choses avariées. Eko na kula bitu vya kuoza. Scandale. Pale inamkwaza. Amen. Amen. Vous trouvez certaines sœurs. Unakuta badada bamoya. Et ils prennent l'accoutrement des prostituées. Beko na beba, muvario ya bandumba. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Forge le caractère. Iko na chonga tabia ya mtu. Tout peut se négocier. Yote mnaweza kupatana. Ah, yote. Tout peut se négocier. Tout peut se négocier. Yote mnaweza kupatana. La parole de Dieu. Lakini kwa maana ya négociation. Hakuna mambo atusikilizane. Il n'y a pas de négociation. Vous passez. Il n'y a pas de négociation. Ça reste. Nous allons les déclarer. On a kutanisha dada, dada yetu. Nda kwa wakumshonea manguo. Chia ule kutere mupagano. Elle laisse ses habits au couturier. La liberté. Il est où? Au chona manguo. Pour que tu viennes paraître devant nous ici. Pour chercher quoi? Dada, tu t'as fouté nini? Les habits sexy. Il est manguo ya kukubana. Qu'est-ce que tu cherches? Uku na tafuta nayo nini? Un accoutrement qui met le corps en évidence. Muvario ile ikunonesha mwili yako yote. Mwili yote. Le corps en évidence. Kama tunakuangalia. Mais lorsqu'on te sama ça auyaisha kuvuala. Mais nous remarquons que tu n'as pas bingine mimi utaweka ko yulu. Nitabie. Juu ya kufunika ko. Cherche un peu quelque chose et habille-toi pour te cacher quand même. Ça c'est diabolique ça. Ile ni ya kutoka kwa shetani. Comment tu peux regarder la télévision? Dieu unaweza kuangalia ku télévision? Il est là. Il est muvario ile. Des actrices. Ya bale ba artiste. Wewe unakuwa kutuvaria hiyo hapa. C'est que tu mets pour venir apparaître devant nous. Jour du jugement. Siku ya hukumu. Ça sera terrible. Itakuwa mambo ya kushangaisha. Kila mwili model. Kwa kutoka la mwili model. Tu viens apparaître devant nous dans ces modèles là. Tu andras une dada ou maintenant, cette sœur ici. Ni sœur à est-elle notre sœur ou pas? On essaie de poser la question au diacre. Cette sœur, elle est dans l'église. Abandonner les choses que tu ne les fais pas. Vis la parole. Tu es toujours ici avec nous. La Bible dit ceci. Je vais lire ça dimanche. On avait semé le blé. Tulipanda gano. Mais l'ennemi. Lakini adui. Il vient dans les mains. Anakuwa kupanda magugu. Wanaingia mshamba. Ils ont vu livrer dans le champ. Baliona magugu ndani ya shamba. Ils sont allés poser la question, maître. Balienda kuuliza mwenye shamba. Maître. Bwana. Nous avons semé le blé. Si tulipanda hapa paka. Mais d'où vient? Gari tunatoka je? Nous trouvons livré dans le champ. Tupate kukuta magugu ndani ya shamba. Pour les serviteurs. Tumishi. Il fallait arracher ça. Ilipasha kutukunya hiyo. Il est mouvoirio yako il est. Ton accoutrement là. Nous disons. Je te la sema. Tu connais un coulé ou canissa. Pour
ministre avait dit, sasa, bwana ya alisema nini? Laissez-les croître ensemble. Ubache bwana kome pamoja. Jusqu'au temps de la moisson. Kufika na wakati ya mavuno. Hata kufukusha mkanisa hapana. Unalo pate chasse de l'église. Ou britanniser. Unalo pate britanniser. Mais où you are saying? Sache bien que ile mivuario yako. Au tapata kukukamatisha hapana. N'a que deux hommes. En écoutant la parole de Dieu. Ou bien tu changes cet accoutrement là. Si tu ne changes pas, on ne va pas t'arracher. Laissez-les croître ensemble. Jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Et après. On commencera par récupérer d'abord les blés. On met dans les greniers. Le reste sera brûlé. Cet accoutrement-là. Mais tu cherches quoi au juste? Tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est lieu, et sanctifié à la présence de Dieu. Comment tu arrives à entrer ici? On a trouvé ma jupe mireille. Il est habillé en longue jupe. Mais des fentes qu'il y a là-bas. Il est égoïlé. Mais c'est c'est scandale. Les serviteurs de Dieu. Les diacres. Ne croyez pas qu'il n'y aura pas de scandale parmi nous. Les scandales seront toujours ici. Mais la Bible dit, malheur, l'homme par qui ces scandales arrivent. Tu dois changer ton accoutrement. Parce que changer. Tu dois changer. Regarde. Wakati na kuangalia. Nous sommes scandalisés. Tuko na kuazika. Kuna voilà mangua ma démon, unakuwa nayo hapa, mangua ba démon. Tu portes habit de démon et tu viens avec. Tu viens ici. Unakuya hapa na mangua ba démon. Pour indisposer watoto wa Mungu. Où est que malaise les enfants de Dieu? Tu dois changer. On n'a pas chaque fois dit que tu changes ton accoutrement. Voilà. Dans l'ancienne, l'adultère, Boucharat, se commettait dans le corps. Il quoi la fin comme. Mais quand Jésus est venu, lakini wakati Yesu alikuja, il a renchéri la chose. Aliweza kuendelesha tena mambo. Il dit, anasema, quiconque regarde une femme avec les yeux de convoitise, na macho ya kumtamani, il commet l'adultère dans son cœur. Eko natenda busharati moyo wake. La première vue, kuona tu kwa kwanja, est inévitable. Pala ina mambo. Mais si tu regardes, ne cherche pas à bien. Tu cherches à bien, très bien voir. Tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Vous trouvez un frère. On a coupé dada. Ta femme. Il est en train de toucher ses belles sœurs. Cette vie de légèreté là. Il est maïché à Kuntongo Bilole. Tu es en train de faire notre honte. Tu fais notre honte. Tu fais notre honte. Ailleurs. Fashingine. Si on veut engager Bantu. Si on veut. Engager les gens. On dit Wende mu tabernacle mu tafte ba frère. On disait toujours Wende nu ku tabernacle chercher les frères. Aba iba ki apana. Ils ne volent pas. Ils sont honnêtes. Beko tu beko na. Weye. Toi. Dans le quartier. Mu quartier yako. Tu regardes les petites filles. Ukunangaria tu.
une femme déjà. Mais qu'est-ce que tu es en train de rechercher encore? Tu cherches quoi? La vie des scandales. Et nous nous posons des questions. Na tukuna juuliza. Parce que lorsque Dieu sauve quelqu'un, tu wakati Mungu anaokoa mtu. Le salut. Okovu. Ça doit se manifester. Il n'a pas chacune kanishwa. Le salut. Okovu. Ce n'est pas une imagination. Aina mambo ya kuwazi. Le salut. Okovu. C'est une réalité. Ni mambo ya hakika. Tu étais un voleur. Ulikuwa kamwizi. Mais on a chabouji. Tu abandonnes de voler. Tukunaona. Nous voyons. Tu courais derrière les jupons. Ulikuwa nafata kutafuta tafuta bandumba. Tu arrêtes ça. Unaacha ile maisha. Maisha buchafu. La vie sale. Comment tu peux garder dans l'album? Je unaweza kuchunga album yako. Et ma photo ya pale uko unakunywa Simba. Des photos, des souvenirs là où tu prenais encore la Simba. Là où tu étais à côté des prostituées. Mule ulikuwa pembeni ya bandumba. Ma photo ile ulikuwa unekala kila riwaji. Des photos où tu pouvais rester torse nu. Mikulu yote inje na kaputula. Tu es en kilote, tu laisses tes jambes. Batoto ko bana mukita be kuna kuona. Alors que tes filles sont en train de passer, en train de te voir. Comment tu peux garder ces choses là dans l'album? Je unaweza kuchunga ile mafarioyo ya vile ya vile. Est-ce que tu as déjà changé? Est-ce que tu as déjà changé? C'est pourquoi c'est pas. Donc, tu dois te repentir. Tu dois. Tu dois mourir. Cette vie-là. Il est maïsha. Doit mourir. Il n'a pas kufa. Pourquoi dans l'église nous avons des monstres? Nous avons des bifouets dans l'église. Dans l'église on a encore des monstres. Il y a dans des églises où un bandit à main armée peut rester tranquille. Mais Abba, mais ici la parole de Dieu va t'indisposer. Rassure-toi. Tu ne seras pas à l'aise ici. Aouta tuliza la kapa tashikumoya. Pas monstre, mais quoi pas? Ici il y a encore des monstres. Mais qu'on a bougé ma bouille. Ils ont des vies. Et comme pagano. Il est encore païen. Tenez que ça mon Christ. Et après, il est comme un chrétien. Il est comme un chrétien. Parce que ça mon Christ. Un chrétien. Dieu mon Christ. Ah oui, c'est quoi tenez ça mon pagano? Ne veux pas être encore un chrétien. Donc, voyez, où que ça mon Christ. Dès qu'on canisse. Alors que tu es dans l'église. Dès qu'on a couillé à pas. Il vient chaque fois. Tu vas aller ta cage, ça mon canisse. Et c'est eux qui donnent beaucoup de travail dans l'église. Mais vous avez demandé à mon frère à Baripé. Ils prennent des dettes pour des frères et ils ne remboursent pas. Donc, c'est que les croyants m'ont dégâts. Donc, ils sont en train de faire des dégâts au milieu des les monstres. Bah, monstres. L'ancienne vie. Mais chez Amani. Doit mourir. Il n'a pas jacouf. Pour laisser place. À quoi tu as fait? À la nouvelle vie. Mais chez Assassa. L'ancienne vie doit mourir. Mais chez Amani, il n'a pas jacouf. Mais chez Amani, il n'a pas jacouf. La vie ancienne doit mourir. Pour laisser place à la nouvelle vie. Dieu quoi tu as fait, Maïsha Mapia. La foi. Imani. Marche avec l'obéissance. Il ne t'aime pas moi, j'ai l'autif. La foi. Imani. Marche avec l'obéissance. Il ne t'aime pas l'autif. Les deux vont ensemble. Biwil, il ne t'aime pas moi. L'incrédulité. T'as quoi mini? Marche avec la désobéissance. Il ne t'aime pas l'autokuti. Ma vie obéissante. Les deux aussi marchent ensemble. Mais ici nous venons ici. Pasteur Kunangaria. Le pasteur observe. Il voit la foi Imani et la désobéissance. Nagutoguti. Eh. C'est que c'est comme un hein, sache voilà qu'il a tout. Donc c'est comme quelqu'un qui a porté une chaussure et l'autre pied il porte la babouche. Kungambo ingine na vala kori papa. A voir le papa. Ana kwa kuingia. Et il vient entrer ici. Et la personne vient entrer. C'est-à-dire cette personne-là. Donc où le mutu? Il a la foi. Et qu'on a imani. Et la désobéissance. Et qu'on a la kutokuti.
N'est-ce pas un monstre cette personne? Mais il est venu ici. L'ancienne vie. Maisha Zamani. L'ancienne vie. Maisha Zamani. Doit mourir. Il n'a pas chaque coup. Dans le naturel. Mwasili. Vous aimez les maïs. Wakati unapanda mwinji. Les maïs que vous avez semé. Ile mwinji ambapo lipanda. Il faut que la graine là. Inabidi ile mwinji ile. Ile mwinji kufwe. Pourisse. Ipate kuoza. Pour laisser place. Ndio ya kuacha fashi. À la nouvelle vie. Maisha uzima bupya. Il y a des frères ici. Kuku banduku hapa. Et des sœurs. Na badada. Aba kukufuati hapana. Et n'était pas mort. Barilandaka kufwa. Et ils ont feinté de mourir. Ah. De quoi papa frère na basse. Ils ont ici les gens des frères et sœurs. Barilandaka kufwa. Ils ont feinté mourir. Aba kukufuati bya kweli hapana. Ils n'étaient pas morts réellement. De quoi? Ils sont là ici. Ou chaque fois tu es déjà mort. Tu n'as quoi comme sanduku. Nous t'avons mis même dans les cercueils. Bananza kabula mpombe pakirio. On commence même à distribuer la bière lors de ton deuil. Mufwa comme cercueil. Alors que les cadavres se trouvent dans les cercueils. Ase muni nombe ko na min chupa moi. Disant qu'on veut que aussi demander aussi pour moi une bouteille. Mufwa mu cercueil. Toi qui est mort dans ce cercueil. Chibatu va takimbia. N'est-ce pas, les gens vont fuir. Amen. Batu va takimbia. Les gens ils vont fuir là. Maintenant, comme c'est un cadavre. Mais cadavre, parce que mufwa chilombaki. Ben c'est un faux cadavre parce que un vrai cadavre ne peut pas demander quelque chose. Ase mulumbe kon chupa moya. Disant s'il vous plaît, mulipe kona min chupa moya. Maintenant nashikia ya kulomba tirbouchon. Mais il ne sait plus demander et demande aussi avec le tirbouchon. Anafungula anakunywa na meno, anafungula na meno. Il va ouvrir utilisant ses dents. Anakunywa et il prend. Anaisha et après avoir pris. Alala ten. Il rentre encore, il meurt encore. C'est ça le travail que nous avons aujourd'hui dans l'église. Mais sachez que la kinimudua ya kusema, vous êtes les fruits du ministère. Muko matunda ya utumishi. C'est pourquoi tout a mis à fois chapana. C'est pourquoi nous ne vous laisserons jamais à l'aise. Parce que ces jours-là, devant le Seigneur, les pasteurs vont vous présenter devant le Seigneur. Comme fille de son travail. Kama vile matuki ya kazi ya utumishi wake. Vous devez mourir réellement. Vous n'avez pas déjà coufoua kika. Après la coulanda coufoua. Ne feintez pas mourir. Après la coulanda coufoua. Ne feintez pas mourir. On doit t'oublier. Tu n'as pas déjà coucou sabou. Le monde doit t'oublier. Tu n'as pas déjà coucou sabou. Mais ouais. Mais toi. Tu as 10 ans. Où qu'on a bien kakoumi. Tu n'es pas kouyou. Mais le monde te reconnaît encore. Le monde te connaît très bien. Ça, c'est comme on a koufoua. Maintenant, si tu meurs, tu kuna shinda kubiri. Tu ne sais pas prêcher. Tu kuna shinda. Nous ne savons pas prêcher. Nous ne savons pas prêcher. À toi c'est kubiri. À tout na l'aise mon kubiri. Nous ne sommes pas à l'aise en prêchant. Tu kuna ngopa ba pagano. Nous sommes en tu as peur des païens. Or la parole de Dieu, on doit les prêcher librement. Tu n'as pas kuyubiri na uhuru wote. Voilà. Mais nous n'atupacha kaji. Mais tu nous donnes du boulot. Nous ne prêchons pas librement. Atufikie tena mukubiri uhuru. Comme un pasteur quelque part. Kama vile mchungaji moya fashion mo fulani. Il dit à un frère. Anambia ndugu moya. Wey. Toi, atoka kufusha mkanisa hapa. Nuno anapata chasse. Mais si kutakufwa. Mais les jours que tu vas. Bashi mimi kuleta maiti yako hapa. Qu'on n'ose jamais apporter ton cadavre ici. Shashika bintu ale modèle. Ben vous écoutez ces chants de déclaration. Donc maintenant atuwe ku cette semaine. Un frère anenda mu repos. Maintenant, nous ne savons pas nous rassurer que ses frères voient au repos. Parce que kama tunafua makelele mingi sana. Parce que si on parlait trop. Les païens avec qui vous vivez la vie d'adultère, batazara uneno la Mungu. Et le risque de mépriser la parole de Dieu. Aseme huyu. Disant celui-ci. Kama nengi. Mais si lui entre, mais nous aussi nous allons entrer là. Mandeni yako ya shukuri paile. Tes dettes que tu ne veux pas honorer.
omba Mungu akusaidie ulipe. Prie Dieu pour que tu puisses honorer. Parce que les jours de l'enlèvement. Parce que siku ya kunyakuliwa. Papa galo msi. Où sera chez. Les païens diront non non, où y attenda. Badada mulirumie. Mes sœurs, pardonnez-moi. Lorsque je suis en train de doiter là, j'ai d'autres personnes. Mais je vais doiter alors. Où sera tenda pas. Cette sœur n'ira pas. Elle a encore ma dette. Ou bien on est dans l'enlèvement. Ou bien tu vas dans l'enlèvement. Alors que les créanciers viennent à la maison. Disant qu'il est parti dans l'enlèvement. Il va dire Dieu tu m'as. Comment tu peux enlever cette personne. Tu devrais le laisser qu'il honore d'abord ma dette. Mettez vos vies en ordre. Mupange maishen musawa. Mettez vos vies en ordre. Mupange maishen musawa. La repentance. Toba. La repentance. Toba. Le point de départ. Bafasha kwanjia. Il n'est pas encore tard. Akuyachelewa bado. Retournez au point de départ. Rudieni bafasha kwanjia. Voilà. Dio. Va refaire ta repentance. Kwenda anzurula motena kutubu kwako. Tu as une plaie? Uko ako na kilonda? Tu vas chez le médecin? Unaenda kwa mganga? Le médecin Munganga va nettoyer cette plaie là. Ata safisha kile kilonda yako. Asta shuka kulia kwako hapana. Il ne va pas s'en faire, il ne sera pas préoccupé de la façon dont tu plaires. Ah. Il sera en train de nettoyer. Ata kwa yako mukusafisha. Toi tu es en train de pleurer. Lui continue à penser. Il faut que la plaie. Il n'a pas ce qu'il onda. Reflète la couleur rougeâtre. Il peut te connaître rangi ya mwekundu. C'est là qu'il va te laisser. Aussi longtemps que. Wakati yote. Cette couleur n'est pas encore visible. Il est rangi ya onekanika. Tu vas beaucoup pleurer. Atuwezi kilonda. Tunakuwa na mafuta tunapakala pale yulu. Nous ne pouvons pas. Tu amènes ta plaie, nous prenons encore de l'huile et nous ajoutons là-dessus. C'est pourquoi un véritable chrétien. Jokomana mu Kristo bya kweli. Quand tu quittes la maison. Wakati unatoka kunyumba. Tu dois faire d'abord la prière. Mbele unapasha kuomba. Dieu. Mungu. Je vais à l'église. Minazabenda kanisa. Toi tu me connais. Wewe unaniyua. Wewe ukaniseme. Vois parle avec moi. Sema yulu wa maisha yangu. Parle sur ma vie. Ushinyache tranquille. Ne me laisse pas tranquille. Non pas lorsqu'on touche sur ta vie. On a chiri qui a mutumishi. Toi tu t'énerves contre les prédicateurs. Chiri a mutumishi. Tu t'énerves contre les prédicateurs. Moi je ne vous connais pas. Mie mishi kufamia ta kufamia. Mais le Saint-Esprit. Mais la kini Rome tagatif. Anaya kila muntu. Il connaît tout un chacun de nous. Nous n'allons pas faire votre police. Chiri a tout un temps kufata fata. Tu fais une police, c'est-à-dire. Kwanza kukufuatafuata unaishi je, unafanya je. Roho Mtakatifu uko na wewe. Le Saint-Esprit est avec toi. Partout tu entres. Fois chote kunaingia. Esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Et là-bas. Iko pale. Kukufuatafuata. Ça te suit. Ésaïe. Isaïe. Chapitre 59. Ésaïe 59. Isaïe 59. Ésaïe 59. Isaïe 59. Et la parole de Dieu. Na neno ya Mungu. Même quand nous prêchons ici. Ata sasa tunahubiri hapa. Nous avons peur. Tukuna boka. Parce que la parole. Du neno. Est en train de chercher les derniers élus. Iku mkutafuta mteule wa mwisho. Parce que les choses qui se commettent sur la terre. Du bitu bila binafanyika pa dunia. Ça prouve que c'est la fin. Iku naonesha kusema ni mwisho. Maintenant la parole de Dieu. Ça c'est neno ya Mungu. Il a tafuta mteule wa mwisho. Est en train de chercher les derniers élus. Dès que ces derniers élus. Wakati tule mteule wa mwisho. Entrera dans le corps. Atengie mumwili ya Kristo. Ça sera fini. Itakuisha pale. Et quand nous prêchons. Na sasa tunahubiri. Nous ne prêchons pas seulement pour le salut. Atuhubiri paka njoo ya wokovu. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Doit servir de témoignage. Inapasha kuwa ushuda. Voilà. Celui qui croit, namini, Dieu, la parole sauve. Neno okoa, mais celui qui ne croit pas, la chamini, cette même parole ile neno moya moya, sera pour sa condamnation. Pale njua kumukumu. Tu dois mettre ta vie en ordre. Ésaïe 59. Isaïe 59. Ésaïe chapitre 59. Isaïe 59. Nous lisons. Na tisa. Tukuna soma. Non!
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ouais. Ta prière là. Maombi yako ile. Maombi yako. Ta prière. L'oreille de Dieu. Rishikio ya Mungu. N'est pas dure. Aina yenye kufunga. Aina aina ngumu. Okay. Voilà. Pour écouter ta prière. Dieu akushikia maombi yako. Ni son oreille trop dure pour entendre. Wala rishikio yake ngumu kabisa njoo ya kuelewa. Mais ce sont vos crimes. Lakini ni mabaya yenu, makosa yenu. Ce sont vos crimes. Ni makosa yenu. Qui mettent une séparation. Njoi kuna mitenganisha. Entre vous. Kati ya mweye. Et votre Dieu. Na Mungu wenu. Ce sont vos péchés. Ni manzambi yenu. Qui vous cache sa face. Njoi kuna mificha uso wake. Et l'empêche de vous écouter. Na hiku na muzuwiza kumishikia. Luria kumagochi. Rentre à genoux. Tu dois ranger ta vie. Una pasha kutengeneza maisha yako. Vous faites dans la maison. Uku tu munyumba. Ah, dans la maison, l'homme et la femme. Uku munyumba bibi na bwana. Pena fonya ta un mois basse méchane. Ils peuvent mettre même un mois sans se parler. Mais bena kuya paka. Alors qu'ils viennent chaque jour ici. Un mois. Mwenji mujima. Abakane sauti. Sans se parler. Dada shakufunga na hero. La sœur elle est là, sans fautiste. Mais Mungu anayo si wewe ku faible. Dieu sait que tu es faible. Shakufunga na hero. Mais tu endurcis ton cœur. Un mois. Mwenji mujima. Mungu nakuya. Tu viens toujours ici. Et vous empêchez certaines guérisons qui doivent s'opérer. À cause de votre vie. Vous empêchez certaines opérations de l'esprit ici. À cause de votre vie. Kwa ajili ya maisha yako. D'impureté. Maisha kwa buchafu. Yabuchafu. Yabuchafu. Ta vie d'impureté. Ce sont vos crimes. Ni makosa yenu. Ce sont vos crimes. Ni makosa yenu. Mabaya yenu. Makosa yenu. Vos crimes. Qui met une séparation. Njoi kuna mitenganisha. Entre vous et votre Dieu. Kati ya mwe na Mungu wenu. Le péché. Manzambi. Et quand quelqu'un vit dans le péché. Na wakati mumoja kuna ishi muzambi. Cette personne est séparée de Dieu. Ule muntu ni mwenye kuachana na Mungu. Ah. Et la séparation avec Dieu. Na ile kutengana na Mungu. C'est la mort. Milufu. Ata kama kuna ntumbo munene. Même si tu as un ventre bedona. Bantu bina kongresi kuna santé ya bien. Les gens te regardent disant que tu es en bon point. Mais comme tu es en séparation avec Dieu. Lakini vile uko mkutengana na Mungu. Uko moribond. Tu es mwenye kufa hata vile uko bonne santé. Ah. Tu es séparé avec Dieu. Retournez. Rudia. Retournez. Rudia. Par la repentance. Rudia mukutubu. Réglez vos vies. Tengeneza maisha yako. Mettez vos vies en ordre. Weka maisha yako sawa. Retournez dans la communion avec Dieu. Rudia mushirika na Mungu. Rudia. Rentre. Retournez. Rudia. Retournez. Ton mari. Me wako. Quand il va au travail. Wakati anaenda kukazi. Il doit témoigner. Anapasha kufika mkushudia. Sime huyu bibi. Ba ma femme. Mu Kristo. No, elle est chrétienne. Bibi naye kama anawakia kunyumba. La femme aussi lorsqu'elle reste à la maison. Sime bwanangu huyu. Elle doit arriver aussi à témoigner. Mon mari que vous voyez. Il est chrétien. Est-ce que aujourd'hui, Dieu l'est tout. Si on posait la question à ton mari, kama banauliza mme wako, ile manchu na mutononeaka ile,
les grands yeux que tu as toujours ouverts devant lui. Tu ne te laisses jamais faire. Et les enfants dans la maison savent que celui qui est à la base de tout ceci, c'est maman. Et tu entretiens, tu déranges l'atmosphère dans la maison. Le mari se lève et fait la prière. Pour bien commencer une bonne journée. Mais tu déranges l'atmosphère. Tu es en train d'abîmer pour lui son atmosphère. Les prophètes ont l'appelé qu'il était un misogyne. Parce qu'il était trop dur. C'est-à-dire vous, nos sœurs. Nous irons avec vous au ciel. Il faut tout me pomputer, pomputer sale. C'est pourquoi nous devons vous corriger comme il faut. Ah! Parce que les démons peuvent entrer autant de fois dans la femme. Inezi kuingia mala na mala ndani ya mwanamke. Anaingia anatoka. Anaingia anatoka. Anaingia anatoka. Anaingia anatoka. C'est pourquoi tout a mis à chaque fois chapana. C'est pourquoi nous ne vous laisserons jamais à l'aise. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Que le Seigneur Dieu soit loué. C'est vrai, frères et sœurs. La parole de Dieu vient d'être prêchée sur la repentance. C'est pourquoi, comme nous voudrions entrer dans la prière, que chacun rentre en lui-même. Vérifie convenablement. On vient de dire que tu es toi-même prophète de ta vie. Vérifie ta vie si elle est conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi ce soir on vient de dire qu'il n'est pas encore tard. Implore Dieu. Na Mungu atakubali mangaribi ya leo. Et Dieu va répondre ta prière ce soir. Njoko tutasimama sisi zote. Quand nous allons tous nous mettre debout. Tutaimba pamoja na kwaya. Nous chanterons avec la chorale. Tafutie ko safi 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 kweli. Unioshe katika damu. 110. 100 combien? 110 nyimbo za Mungu. 110. Après avoir chanté, nous allons entrer dans la prière. Yeah.
Ngombe tunataka